Lorsqu'un terminal change de cellule, s'il fait partie de la même zone de localisation, il ne va rien transmettre au réseau. Vu du réseau, le changement de cellule est complètement transparent. Là, c'est donc faux qu'il faut sélectionner. C'est en effet le but des zones de localisation que de réduire au maximum les échanges entre le terminal et le réseau.